On s'entraîne beaucoup, comme vous pouvez le voir. On s'entraîne tous les jours, on s'entraîne souvent, que ce soit sur le terrain ou en dehors à la salle, on fait beaucoup de séances. Et on s'adapte à l'emploi du temps, donc du coup c'est pas souvent évident. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de temps libre, donc on le passe ensemble en faisant des activités comme des activités du billard, ping-pong, un peu de tennis de table. On essaie de faire de passer des moments ensemble pour rendre les choses plus faciles. Donc voilà, après la vie à l'hôtel, bon, il y a le côté négatif, c'est qu'on ne voit pas nos proches. Mais bon, on pense au positif, on reste tous en bonne santé, on n'a pas de cas de Covid dans l'équipe. Et le positif, c'est qu'après un long moment passé loin l'un des autres, on est tous soudés, on continue à se découvrir, on continue à s'apprendre. Donc c'est une bonne chose pour qu'un groupe soit soudé. Et on voit que ça nous réussit plutôt bien avec les résultats dernièrement. On n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer à la reprise, donc on a travaillé dur. On a repris avec beaucoup de matchs enchaînés. On a plutôt bien réagi, on a eu des bons résultats, on se sentait bien physiquement. Et c'est vrai que là, cet arrêt, ça nous freine un peu. Donc, comme je vous ai dit, on s'entraîne beaucoup pour pas tout gâcher. Mais bon, je pense que tout le monde s'adapte à la situation, c'est très particulier. Je pense que ce soit la fédération, la ligue, tout le monde, si on pouvait faire autrement, on l'aurait fait. Mais bon, je pense que tout le monde essaie de s'adapter. Les matchs amicaux, c'est, il n'y a rien de mieux que la compétition. Les entraînements, on peut mettre toute intensité qu'on veut, c'est pas pareil, il n'y a pas la même adrénaline, il n'y a pas la même volonté de gagner. Donc ça nous manque. Ça nous manque beaucoup. On voit que nos matchs, ils sont reportés, puis décalés. Donc là, on a une date, le 21. On attend ça avec impatience. Tout le monde attend ce match de la CAF, mais on est focus sur le prochain match. Les prochains matchs, si c'est Botola, on sera à fond sur ce match-là. Et on va s'en servir du mieux pour se préparer à cette CAF, cette demi-finale qui nous tient tous à cœur, qui tient à cœur tous les supporters, tout le staff, tous les dirigeants. Donc on va tout donner et la meilleure préparation pour gagner un match, c'est de gagner les matchs avant. J'ai reçu des messages sur les réseaux sociaux, donc ça nous touche. Enfin, ça me touche particulièrement. Et on va dire que ce qui nous manque le plus au-delà des matchs, c'est le public. Parce que le public, il a toujours répondu présent dans les bons, dans les mauvais moments. Donc le public, c'est ce qui nous pousse à aller un peu plus loin. On le ressent pas comme d'habitude, mais bon. Avec tous les messages, on voit souvent, il y a quelques personnes qui viennent à l'entraînement. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc, on tient à les remercier. Et le plus beau cadeau qu'on peut leur faire, c'est d'aller au bout, Inch'Allah.